Je l'ignorais, mais notre ami Florian avait été mordu par un Caspar CG radioactif. Depuis, il avait acquis un super pouvoir, celui d'arrêter les tric-trac télé quand il voulait. Et ça, ça calme à mort! Non, balance pas le générique, Florian, je t'en prie, ne fais pas ça! Nous jouions à Marvel Champion avec Franck et avec José. Le jeu est un jeu FFG, il y a du matériel et des explications qui nous ont été données par José dans la vidéo sur TrickTrack précédemment. Et nous allons faire un début de partie pour que vous puissiez à la fois, sans trop vous spoiler, et pourtant à la fois voir si le jeu est fait pour vous. C'est un jeu de cartes évolutives, ça veut dire qu'il n'y a rien à collectionner, ça veut dire que tout le monde a toutes les cartes nécessaires. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas builder un petit peu son deck, c'est-à-dire le construire, le fabriquer à sa façon. Tout ça est dans Marvel Champion, on l'a déjà expliqué. On a notre deck Captain Marvel, Spider-Man et Black Panther contre le Rhino. Oui. Il démarre avec 42 points de vie, ce n'est que sa première forme. C'est rien. On démarre avec 6 cartes, toi 6 cartes, 6 cartes aussi pour T'Challa. Et le premier joueur, on le détermine comment? D'accord, bah c'est Captain Marvel. Honneur moi, je vous propose que ce soit Captain Marvel. Alors, bah, c'est à toi de faire ton tour. Oui. Donc, tu peux jouer des cartes, déclencher des actions, utiliser des pouvoirs d'attaque contre ou de récupération et changer de forme une seule fois par tour et mettre fin à ton tour. Alors, on peut mulliganer comme la plupart de ces, okay. de ces jeux. Il y a toujours... Tu peux et tu choisis en fait ce que tu mulliganes, c'est ça? Ouais. Oui, tu peux choisir ce que tu mulliganes. Mais la carte, tu la mets dans la défausse. Tu la mets à côté et après, tu la réintroduis. Non. Non, tu as défaussé. Tu as défaussé. Tu as défaussé. Ah oui, c'est défaussé, défaussé. Ah oui, je ne l'avais pas fait moi. Autant pour moi. Je verrai ça. Alors, c'est parti. Vas-y, José, que fais-tu avec Carol Danvers, le dernier des dinosaures? Moi, je vais commencer. Vous n'avez pas besoin pour l'instant de cartes, tout va bien, vous avez des cartes si en main. Si tu veux nous en faire piocher plus que ça, je prends, hein, bien sûr. Mais j'étais plutôt parti pour m'en faire piocher moi. Bah, vas-y. Pioche. Vas-y. Donc, j'utilise mon pouvoir d'alter ego, c'est-à-dire je choisis un joueur qui pioche une carte. Et c'est toi. C'est moi. C'est pas génial. Donc, tu aurais peut-être mieux fait de. Mais... C'est ça. Du coup, je me retourne. Je passe en Captain Marvel, parce que je vous rappelle, je peux le faire une fois par tour. Là, je suis en Captain Marvel et je me dis, c'est quand même le moment de montrer au Rhino qu'on n'est pas là pour rigoler. Donc, je joue un vol cosmique. Du coup, je m'envole. C'est une amélioration. Ça te coûte 2, ça, mon garçon. Ça coûte 2, tout à fait. Que voici. Et 1. Et... On n'est pas là pour se faire tataner. On est là pour se faire embêter. Hop, 2. Donc, comme vous voyez... De ressources. Elles sont payées. Défaussées. Ton vol cosmique est en jeu. Je suis désormais aérien et si jamais je prends un dégât, je peux prévenir 3 dégâts en défaussant le vol cosmique à la place. Ok. Ça, je verrai ça plus tard. J'aurais pu garder un petit... Enfin, j'aurais pu ne pas piocher pour attaquer, mais comme j'ai pas encore de cartes très très fortes pour le tataner, je vais plutôt en rester là. Et vas-y Franck, c'est à toi. Ouais. Donc moi, je cherchais, parce que avec Black Panther, tu peux, pendant la mise en place, tu peux chercher une amélioration Black Panther. Donc j'ai été prendre les griffes de Panther. Super. Je la rajoute à ma main. D'accord, ça c'est ta prévoyance. C'est pendant la mise en place, tu t'équipes un peu. C'est avant même avant même de commencer à jouer. Donc je vais commencer à mettre ça. Alors moi je vous le dis, j'ai chopé des coups de pied en balancier, donc c'est du 8 points de dégâts à l'ennemi. Il coûte un petit peu, hein. C'est quand même 3. Hein. C'est déjà bien. Si je pouvais lui coller les deux... Ah non, je pourrais pas lui coller les deux, puisque j'ai que 6 cartes. Théoriquement, t'as pas assez. Ah ben non, j'ai pas assez. C'est ça. Mais j'en ai une de plus grâce à ma ressource scientifique. Ah, il va falloir que je te pose une question de timing, mon bon José. Oui, il va falloir que je te pose une question de timing. Ah, je vais attendre que Franck en ait... Donc là, tu t'es équipé des griffes. Ok. Hein, c'est ça, hein. Ouais, oh, j'aime... Il y a Hulk quand même, c'est pas... J'ai envie de le faire rentrer quand même. Ça donne envie, c'est vrai. Il coûte 4, j'imagine. Non, il coûte que 2, justement. Eh ben, vas-y, fais-toi plaisir. Mais j'ai une autre... C'est ça, c'est ça qui est dur. On va mettre Hulk, l'autre, on va la garder en main. Allez, pan, clac. Hulk. Vas-y, mets-le à côté de ton héros pour qu'on les voit en top view. 3 en attaque. Ça devrait nous... Ça, avec ton équipement. Ça devrait nous donner un peu d'air, ça. Par contre, attention, parce que Hulk, il peut s'énerver. Et ça nous fait mal à nous aussi. Il tape sur tout le monde. Oh, j'aime pas ça, Hulk. Ah, il a 5 points de vie, hein, dis donc.
Tu frappes ? Ouais, je vais frapper. Hein. Envoie Hulk ! Bon, déjà, je vais envoyer Hulk. Donc, je fais 3 de dégâts. 3, donc, le voilà, 39. 39. Ce qui va l'énerver un peu. Un petit peu, ouais, mais... Alors après, Black Panther, que fais-tu ? Et je vais attaquer aussi avec Black Panther. Ok. Donc, je fais 2 et j'ai les griffes de Panthère. Donc, ouais. Attaque, inflige 2 de dégâts à un ennemi, 4 dégâts à la place s'il s'agit de la dernière étape de la séquence. Ouais, mais c'est... T'es pas en spécial. Non, t'es sur une attaque. Attendez, jouer l'événement Wakanda... Ah non. C'est ça, c'est uniquement sur le Wakanda Forever. Ouais, okay. Oui, c'est okay. Ça. Donc, que 2. Deux. C'est que quand j'ai une carte spéciale. C'est en spécial. Ici, là. C'est ça, c'est en spécial. Avec cet événement-là, exact, ça fait 4. C'est pour ça que je te disais, si c'est une spéciale... Ouais. Ok. Est-ce que c'est good for you ? C'est good ? Ouais, c'est good. Ok, c'est good. J'ai quand même envie... Alors, du coup, question. Tu génères une ressource. Je voudrais générer une ressource. Je l'ai. Mmh. Tu l'as jusqu'à ce que tu l'utilises. Ah, super. Donc, ça veut dire que mon coup de pied en balancier est une action de héros. Oui. Donc, j'ai le droit de dire clac. Tu as généré une ressource. J'ai généré une ressource. Tu l'as. Je fais ça plus ça plus ça. Je fais le coup de pied. Bam, ça part. Ça passe. Ok, super. C'est ça. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est rouge. Et c'est ce que je vais faire. Et pour ce faire, je vais dépenser ça. Enfin, je vais dépenser... Simuler la ressource. Donc, une ressource. C'est les verts, ouais, c'est les ressources. Donc, j'ai une ressource, mais bouge pas, je la dépense. Voilà. Une, puis deux, puis trois. Le coup de pied en balancier, il part. Il se prend 8 points de dégâts. Mmh. Et c'était juste une action de héros. Un événement qui est défaussé directement. 29. J'ai une urgence, histoire de... j'ai un événement qui s'appelle une interruption. Ça veut dire que je la garde. Et quand il se passera, boum, je peux la tu sortir. Tu pourras interrompre. Ok. L'action en cours. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que... Ah, c'est dommage, ces deux-là sont bien, mais... Oui, ce que j'allais te dire, on a oublié... On a oublié un truc. Ah, l'âge de vert, en fait, quand il attaque Hulk, en fait, il faut que je retourne une carte. Ah, parce qu'il n'est pas content. Selon, là, tu vois, c'est du vert. Effectuer toutes les options ci-dessus. Donc, j'affiche 2 de dégâts à un ennemi. Ok. J'affiche 1 de dégâts à chaque personnage. Ah, c'est à nous. Ça, c'est moins drôle. Oui, ok, d'accord. C'est nous. Ah oui, c'est... il s'est fâché. Et je défausse Hulk. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ah, bah c'est lui, tu vois. Il s'est ouais, énervé. Il a chopé du verre et il s'est énervé. Ok. Tu m'as baissé, ouais. Ouais, je t'ai baissé. Au lieu de payer avec mon coup de pied en balancier, j'ai payé avec mon Daredevil. Et du coup, j'ai fini. Donc là, on a fini la phase de héros. On a fini la phase de héros, tous les trois. Ce qu'on fait, on se redresse. Ok. On défausse des cartes si on veut en défausser, si on, voilà, si on pense qu'elles ne sont pas utiles. On remonte à la hauteur de main 5. Qui est indiquée, évidemment, sur la face où on se trouve maintenant. Puis. Phase de méchant. Fini pour nous, les gars. On passe à la phase de méchant. Alors, fini pour nous, c'est pas vrai. Oui. Nos interruptions, oui. C'est maintenant qu'elles peuvent rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire une interruption d'attaque, une interruption... Attends. Calme-toi, Guillaume, calme-toi. Calme-toi, tout va bien. Je vous ai dit, première chose à faire, la manigance. Top ! Bien sûr. J'ai une urgence. Oui. Quand le méchant manigance, on diminue de 1 la quantité de menace placée sur la manigance. Donc, au lieu de 3, il ne c'est prend vrai. Que 2. Appel à toutes les unités. Appel. Et il y a Jessica Jones qui débarque. Cool. Maintenant, le rhino. Le rhino. Donc, à commencer par moi, le rhino, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre un grand coup de corne dans la tête. OK. Alors... Booster. Alors, booster. Moi, je défends à 1. Donc, autant vous dire, je vais plutôt prendre le dégât et puis on verra plus tard. D'accord. Parce que ma défense est trop faible. Ouais. Pour moi, c'est pas très utile. Deux boosts. Il tape à 4. Ça, bon, bah, ça fait quand même mal. On va le mettre en dessous, là, comme ça. Donc tu te prends 4. Oui, parce bon, que bah là, ça commence. Plus son 2 ici. Commence à être un peu dur. Bon, ça va, 7 points de 10. C'est, bon. C'est large. C'est large. Okay. Ensuite, il attaque Franck. Pareil. Est-ce que tu défends, t'as 2 ? Tu décides de défendre. Bon, moi, ce qu'il y a, c'est quand je défends, en fait, j'y riposte 1, donc je inflige 1 de dégâts. Mais je suis pas sûr que ce soit. Je préfère attaquer finalement. Je fais plus de dégâts. Oui, mais tu pourras pas attaquer à ce tour-là. Parce que tu te redresses si à la fin de la carte. Bah non, justement, si je me défends là. Si je me défends là, je ne peux pas. Ah, tu peux pas attaquer. Ah ouais. Oui, exact. Tu ne te redresses pas deux fois par tour. Ah oui, tu ne te. D'accord. Oups. Mais bon, vaut mieux qu'il y en ait un de nous qui reste plus longtemps, peut-être avec des points de vie. Donc t'encaisses. Ouais, allez, j'encaisse. Non, non, t'encaisses non, pas. Enfin, t'encaisses. Non, je défends. Ah, tu défends, pardon. D'accord, tu défends à 2. Hop, 4. Puis ça tombe très bien, parce que comme ça. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Je prends 2. Oui, bien vu. Tu prends 2 et tu lui fais 1 point de dégâts, donc il passe à 26.
Ok, ça c'est bon. À toi Guillaume, toi t'as une défense extraordinaire. Bah, c'est pour ça, donc je vais défendre, et en plus, quand il initie une attaque contre moi... Tu pioches une carte. Je pioche une carte. Il t'attaque à 4. Donc, je défends à 3, je ne prends que 1. That's done. Maintenant, la rencontre. Ah oui, une rencontre chacun. Et s'il y avait eu des séides, c'est là où ils auraient attaqué. Oui, d'accord. Tout à fait. Ma vache. Donc, à partir du premier joueur. Ah, super. J'aime pas bien. Non, je te confirme. Une manigance annexe, une alerte à la bombe a été déclenchée en plein milieu de ce hold-up de vibranium. Okay. Une fois révélée, on va placer une menace par héros sur cette carte. Il y a donc 3 menaces. Ok. Si on veut que cette carte disparaisse, il faut faire tomber, évidemment, la menace à 0. 3 plus les 2 qu'il y avait déjà de départ. Oui. Ah, non. Hop. Ce que ça provoque, c'est que dorénavant, quand on piochera des cartes rencontre, on en piochera une de plus. Oh, putain, mais non, ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est... Disons que c'est un mauvais départ. Laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Pas vas-y, jamais, je pense. Ça, c'était la première carte rencontre. C'est ça, voilà. Vas-y. La deuxième. La deuxième... Corne en ivoire renforcé. Attacher cette carte à Rhino. Allez. Action d'héros, dépenser. Donc il faut dépenser les ressources suivantes. Donc 3 3 rouges pour défausser cette carte. Ouais. Sinon, 3. Il attaque à plus 1. Sinon, il attaque à plus 1 avec le Rhino. Ah oh, punaise. Disons qu'on est mal barré. Ouais, je suis d'accord. Et de mon côté, une traîtrise. Une fois révélée, le méchant manigance. Bon, ben, quand il manigance, il manigance à 1. Il se prend un petit 1 en plus. Est-ce que dès qu'il... Oui, non, il n'est pas boosté, là. Hein. Non, c'est... Non. OK. Donc là, on a fini la rencontre. C'est ça? C'est ça. À notre tour. Passe le pion premier joueur. Moi, on se révèle... Enfin, on se redresse pas parce que c'est pas maintenant. C'était le tour d'avant. OK. Bon, ben, du coup, c'est à toi, Black Panther, de faire un peu quelque chose. Je vous avoue, je suis pas très, très... Ah ouais? Je t'ai dit une bêtise. Le méchant manigance, il manigance. Chaque fois qu'il manigance, il a un boost. Ah oui, il semblait c'est aussi. C'est automatique. Ouais, c'est ça. Dès qu'il manigance, c'est comme le combat. Dès qu'il combat, il y a marqué, il se prend un boost. Donc il s'en prend un. Oui, c'est ça. Le méchant n'est pas un sbire. Il est méchant. Non, ça va. Ça va. On est qu'à quoi 4. Non, mais c'est surtout. Ah oui, c'est celle-là qui est pénible. Celle-là qui est pénible. Donc là, tu peux contrer, mais seulement à 2. Ouais. Mais attends, mais on va y aller, t'inquiète. On va y aller, t'inquiète. J'ai l'air inquiet, mais je suis pas inquiet. Hein. J'avais pas prévu de gagner. Je passe en alter ego pour pouvoir utiliser la cité dorée. Ouais, adoré. Je l'incline, je tire 2 cartes. Pardon. Non, 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 mais c'est... Pardon à la famille, tout ça. Je salue... je salue ton esprit et ta drôlerie. On pense à Gérard Darmon. Ça fait déjà 10 ans qu'il nous a quittés. Ah. Tellement triste. Lui qui ne payait jamais le resto. Rendez-vous au concert de sa doublure voix. Quelle salut. Là, la griffe Panta, il y a marqué spécial attaque. C'est-à-dire que c'est elle qui attaque, c'est pas moi qui attaque. Donc je peux attaquer sans être. Non, c'est au moment où il y a ça, quand tu déclenches une attaque, ça veut dire qu'en fait, c'est une spéciale. Pendant une attaque, au lieu de 2, tu vas infliger 4 grâce à ça, mais. Non, c'est infliger 2 à un ennemi. Oui. Oui. Il faut jouer l'événement Wakanda éternel pour utiliser cette capacité. Avec l'événement, à la fin de la séquence de l'événement Wakanda éternel, quand tu feras cette attaque, tu vas faire 4 points de dégâts au lieu de 2. D'accord. Voilà. Donc, je ne peux pas le faire si je n'ai pas Wakanda éternel et si je ne suis pas... C'est ça. Et si tu n'es pas en super-héros. Oui, parce que tu ne peux pas attaquer. Wakanda éternel doit te dire, vous attaquez gratuitement avec machin. Si vous avez parce qu'il y a des trucs où, en fait, où tu peux, il y a des cartes où tu peux attaquer. En fait, c'est des attaques en tant que... Oui, tout à fait. Il y a écrit attaque de super-héros. Attaque de super-héros. C'est ce que j'ai joué tout à l'heure. Tiens, regarde. Non, ce n'est pas le cas. Tiens, regarde. Oui, alors tu veux dire, là, est-ce qu'en tant que alter ego... Super pouvoir. Action de héros, j'attaque. Ce que mais là, donc, du coup, là, c'est pas le cas, là. C'est spécial. Si tu lances un Wakanda Forever, ça marche. Ça marche, là. C'est ça. Ok. J'ai pas besoin d'attaquer avec Black puisqu'il Panther. Ne dit pas attaque de super. Bon, je vais le faire, du coup. C'est hyper important, le wording. Tout est vraiment hyper précis. C'est-à-dire que s'il n'y a pas écrit attaque de super-héros, tu peux le faire même si tu n'es pas Mais le Wakanda... Voilà, c'est ça. Wakanda est une action de super-héros. Je montre quand même. Donc, tu peux activer ça que si tu fais un Wakanda éternel, c'est marqué là. Et pour faire un Wakanda éternel, c'est une action de héros. Donc, il fallait que je sois sur la forme héros. C'est ça. Donc, j'aurais dû faire ça avant de faire mon truc là. Mais je n'ai pas eu peut-être avant Odile. Bon, très bien.
C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Ok, donc moi ça je peux faire. Mais je ne suis pas. De toute façon, je suis pas bon en contre, moi. En contre manigance. Ah, finalement, je regrette presque mon Daredevil, puisque lui, il enlève 2 en manigance. Donc 2 plus 2, ça aurait déjà fait 4 sur les 5 qui sont ici. Ouais, mais il faut que je dépense mes cartes. C'est presque bien. Non, mais attendez. Moi j'ai un petit truc. Il faut que je dépense mes cartes. Ça c'est bien. J'ai un petit truc. J'ai un petit truc, je suis pas. Mais pas à 5. Je dépense. T'es pas à 5. Ah bah non, non, bah non, 5. Je dépense 3, je mets une attaque tactique. Ok. Donc là, tu mets. 3 jetons à 3. 3 jetons, ouais, pour. C'est le shield qui vient. Ah ouais, l'équipe tactique est avec toi. Donc, et eux, pour une action, tu fais quoi? Je retire un jeton de l'équipe tactique et je les incline et ça fait 2 de dégâts à un ennemi. Ah bah tu peux le faire, vas-y. Ouais, mais en fait c'est pas mal ça pour les sbires. Alors pour le moment il n'y a pas trop de sbires. Ah oui, mais toi, d'accord. Ils ont souvent 2 points de vie, etc. Où il leur reste souvent 1 ou 2 points de vie. Et donc du coup tu les termines. Ah oui, c'est bien. Ok. Alors, dans quel sens je le fais? Je voudrais le faire dans ce sens-là. Donc je vais y aller. Non, c'est pas celle-là, d'accord. Donc je vais payer 1, 2, et tant pis, je vais payer 3 pour jouer un autre coup de pied en balancier, donc 8 points de dégâts. Ah, les manigances aussi, on s'en est pas du tout occupé. Non, on s'en est pas occupé, c'est vrai. C'est un peu de ma faute aussi. C'est vrai. Et je vais garder ça parce que je vais en avoir besoin. 18, on a bien tapé. De toute façon, c'est parce qu'on a défendu qu'on peut pas s'occuper de la manigance. C'est pour ça, on est en plein dans le combat, on peut pas tout faire. J'ai fini. Je peux rien faire de plus. Du coup. Moi, je vais empêcher les conflits. C'est une action donc, de héros. Je vais payer une ressource. Ça m'embête. C'est là où je vais dire. 2 ressources. Ok. Je peux retirer 2 menaces d'une manigance. Ensuite, si j'ai le trait aérien, ce qui est le cas, je peux retirer 2 menaces d'une autre manigance. Oh, hop. Ah oui, ça c'est bien. Oh, pas mal. Oh, 4 d'un coup. Oh, bon. C'est un événement. Oui, c'est du one shot. C'est un événement. Mais c'est très bien. Okay, il ne reste que 2 et. Ah, il ne reste que 2. Je peux en retirer 2. Quoi. Je peux peut-être contrer et aller. Oh là, si tu pouvais finir l'alerte à la bombe, ça serait effectivement génial. J'y arriverais pas. Au mieux, j'enlève 2. Ah merde, j'aurais dû contrer, mais j'avais défendu. Tu pas. Donc, mais toi, généralement, tu as des cartes jaunes aussi. Ouais, mais j'ai mal joué en fait. J'ai mal joué. Est-ce que je peux vous dire pourquoi j'ai mal joué? Vas-y. J'avais dans la carte mon salto arrière, qui est une interruption. C'est-à-dire qu'au lieu de défendre l'attaque à 3, j'aurais dû jouer celle-là pour prévenir tous les dégâts. Je restais donc comme ça et je pouvais quand même contrer pour participer au fait qu'il y ait ça. Oui, et c'est là où j'ai mal joué. C'est pas grave. On jouera le tour d'après. Je le saurai. Tu pourras le faire, donc on est toujours bien. Donc je vais, pour ma part, effectivement le contrer. Donc t'enlèves 2, il ne reste plus que 1 pour l'alerte à la bombe, on y est presque. On va bientôt y arriver. Je pense qu'on est bon, on a fait le tour. On redresse, on défausse, puis on pioche à hauteur 2, 3 et 4. Alors bougez pas, mais là ça me plaît. Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Bon tour, normalement. Ah purée, au prochain tour ça va être bien les gars, ça va être bien. Oui. Au prochain tour. On verra. Au prochain tour. Donc, on en est à l'étape du méchant, puisqu'on a repioché nos cartes. La manigance avance. De 3. Ok. Il attaque. Elle avance pas, la manigance. Hein. Elle a une manigance, il faut plus. La faire tomber à 0. Okay. Il attaque. Donc, bam. Franck, attention, tu es attaqué par le rhino et il attaque à 3. De base. De toute façon, je peux pas défendre, donc. Ah non, oui, il fait pas attaque, il fait monter la manigance. Il fait monter la manigance. De 1 plus 1. Donc il fait monter de 2. Donc il fait la manigance. Ça, je n'ai même pas. Moi, il m'attaque. Toi, il t'attaque. Je ne défends pas. Ah, on est comme ça, nous. Tu vas peut-être faire un salto. Bah, bien sûr. Donc. Peter Parker. Il fait. Figure-toi qu'il ne fait que 3 dégâts. Bah, ça, c'est déjà. Ah oui, c'est vrai. Il me tire une carte et je fais salto arrière. Bim. Tu préviens les dégâts qu'il te fait. Ouais. Et je vais pas me défendre. C'est beau ça. Je peux pas défendre à ta place. Lui il pourra défendre à ta place au pire. Ah mais oui, je peux. Ah oui, mais du coup. Ah oui, mais si c'est bien que ce soit toi. Voilà. Oui, mais là pour le coup, j'ai chopé de la justice qui a besoin qui moi arrive en soutien pour enlever de la manigance. Donc au tour d'après,
T'auras pas besoin de lui coller des tartes. J'aurais pas besoin de lui coller des tartes parce que je vais plutôt jouer soutien et gestion de la manigance, qui est ma capacité. Alors, si, ouais, mais... mon cher Spider-Man, si tu veux bloquer à ma place, je ne serais pas mécontent. Eh ben écoute, voilà qui est fait. Vas-y. Oui, 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 oui. Vas-y. Parce que là, c'était pas. Donc là, j'encaisse 3, plus 3. Rien. Wouh, on l'a arrêté. Je me suis interposé. Trop bien. Bien joué. Faut dire que t'as un profil. Non, pardon. Vas-y, vas-y, attaque, attaque, attaque. Pas... non, maintenant les rencontres. Allez. Ah bah, je... L'alerte à la bombe n'a pas été éliminée, du coup. On en prend deux chacune. Non, 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 non. Ah bon, ah, il y en a une de plus. Ah oui, donc c'est toi qui vas en avoir. Ah non, c'est non. Franck qui va en avoir. Une. Un, deux, trois. Trois. Quatre. Vas-y, Franck. Montre-nous ce qui se prend dans les dents, Tchala. Alors, nous avons un poseur de bombes de Hydra. Donc, allez, boum, ça c'est pour toi. Crac. Logique, hein, du coup. Bah oui, et j'ai été pris par surprise, mais quelle traîtrise. Une fois révélé, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Oh, défausser ouais. Défausse tes gants, non? Bah ouais. Bah ouais. Ça, c'est dur. C'est dur. T'es deux ressources de départ grillées pour rien. C'est ça. Okay. Surtout que t'as un Wakanda dans les mains, donc bah, du, oui. coup, ouais, bah, non, du coup, je l'ai utilisé. C'est un peu... Alors, de mon côté, tu l'as utilisé en ressources. Spider-Man, après t'avoir défendu, je suis balèze. Donnez une carte d'état tenace à Rhino. S'il est déjà tenace, il gagne renfort. La prochaine fois que ce personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, vous défausez cette carte d'état. À la... Ah oui, donc ouais. Faudrait lui faire une petite pichenette vaut pour qu'elle dégage. Faire une petite pichenette et lui mettre une grosse tatane derrière. Je vais lui cracher dans l'œil. Une ruée, oh bah ça tombe bien. Une fois révélé en alter ego, non, puisque je suis super-héros. Une fois révélé en héros, donc si... Oui, c'est l'un ou parce l'autre. Parce que là, c'est intéressant que vous le voyez. Si elle avait été révélée alors que j'étais alter ego, elle gagne renfort. Renfort, c'est une nouvelle carte... On en prend une en plus. ...qui vient. Enfin, à la place. Là, elle est révélée alors que je suis héros. Du coup, il m'attaque. Hein. Et si il te blesse, t'es sonné. Oui. Bah je... Ah bah non, je peux plus, moi. Et T'Challa peut pas non plus te protéger. Non, mais... Oh, la crise. En plus, elle a sa corne, là, donc... Ouais, mais est-ce que je vais pas faire sauter aérien? Et tu prends rien. Ah, non, mais attends, si, parce qu'il va booster, du coup, il va me mettre du dégât. Ouais, parce que si je fais sauter aérien, ouais. Je préviens 3 dégâts. Sauf que, comme il va booster, il va certainement me faire plus. De toute façon, il va me blesser. Bon, en même temps... Ouais, mais tu vas passer du temps en alter ego, après. On a pas mal. T'encaisse. On a pas mal. Okay. Rien. Facile. Bah, 3. Rien, c'est quoi. Pas rien quand même. Et t'es sonné. Sonné. Hop. Je suis premier joueur. Et sonné, t'explique. Alors, sonné, c'est lorsque j'initierai une attaque, je ne pourrai pas attaquer puisque je suis sonné. J'enlèverai l'état sonné à la à place. À la place. Oh, purée, c'est chaud. Oui, oui. Bon. Bah, surtout que sonné et tenace, ça colle pas très bien. Enfin, c'est, okay. Voilà. C'est pas très bien. Et tu peux pas contrer non plus. Hein. C'est... Est-ce que vous êtes prêts? On est parti ? On est parti. On est parti. Je joue le pouvoir de la justice. Je double le nombre de ressources générées par cette carte. Oui. Donc 1, c'est 2. Lorsque je paye une carte justice, c'est-à-dire une carte jaune, je vais jouer une carte équipe de surveillance. Équipe de surveillance qui me permet de mettre 3 jetons mouchards. Et pour une action, je retire un jeton mouchard de l'équipe de surveillance, je l'incline et j'enlève un pion menace. Ce que je fais tout de suite pour dégager ça. C'est ça. Et ça, c'est géré. Mon okay. Équipe de surveillance a dégagé bien la bombe. Bien joué, bien joué. Ensuite, je vais utiliser... alors attends, est-ce que ça peut marcher dans ce sens-là? Non, ça ne va pas marcher dans ce sens-là. Est-ce que je peux marcher dans l'autre sens? Oui, je peux le faire fonctionner dans ce sens-là, mais ça, du coup, je ne l'ai plus. Attendez, on peut dire juste, j'ai oublié de le faire dans le bon sens. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je voulais garder le jeton menace qui était là, la menace annexe, pardon. Pour pouvoir jouer d'abord Jessica Jones et ensuite dégager la menace. Parce qu'elle, elle a plus 1 ah, en compte. Le rollback. Alors, le rollback ou pas? Alors, le rollback, je vous rappelle, le rollback, c'est pas bien, ne faites pas ça à la maison. Non, mais t'as raison, j'ai oublié. Là, j'ai on oublié. Est en coopératif. Donc souvent, on se donne l'autorisation de faire du rollback, c'est pas bien. C'est pas, non, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je vais faire autrement. Je vais défausser Jessica Jones pour avoir une ressource. C'est dommage. Elle est top, qui me permet. Ben, bah je sais bien, mais elle a que 3 points de vie. Elle se prend 1 à chaque fois, mais j'aurais eu 2 en c'est contre. Très bien, 3 points de vie. Et Hulk, il avait 5. Non, ouais, mais Hulk, il y a qui... un. Il y a des deux. La plupart, ils ont 3 points de vie, justement. Enfin, t'as du 2, du c'est 3. C'est pas si mal, quoi. Points de vie, non, 3, c'est pas mal. C'est... Ouais, mais mon lance-toile, il me fait une réduction, ouais, c'est une ressource. Le lance-toile est très, très bien. Donc, je mets 3 jetons avec mon Jessica Jones, s'il vous plaît, et puis ça sera bon. Hop. Par contre, je...
Ah, c'est quand même bien que je vous défende, et puis j'ai pas perdu beaucoup de points de vie, donc je reste comme ça, donc je remonte à 5. Ok. C'est dommage, tu vois, parce que j'allais t'inviter, mais c'est très bien. Parce que j'avais des cartes pour booster des alliés. Donc oui. Ta Jessica Jones aurait pu être un petit peu plus... Ah, c'est pas grave. C'est pas... D'accord. Je te l'ai pas dit parce qu'en fait, quand t'as mis le lance-toile, je me suis dit, non, le lance-toile, c'est quand même vachement ouais, bien. Ouais, ben, c'est 3 ressources de plus. Bon, c'est vachement bien. Du coup, à toi. Moi, ce que je vais faire, même si ça sert plus tard, ça servira quand même à un moment, je vais jouer mon casque de Captain Marvel. Donc, je paye, hop. Avec 2. Oui, 2. Ça, c'est le génie. Carte basique. Donc, j'ai désormais 2 en défense, 3 puisque je suis aérien. C'est quand même pratique. Et je suis presque tenté de rester quand même. Hein. Non, allez. Non, fais pas de bêtises. Je vais récupérer, remonter quelques points de vie. Ça ne peut pas faire de mal. Et ma foi, je pense que je suis bon à toi, Franck. Ok. Ok. Donc moi, je vais utiliser la Cité Dorée pour piocher 2 cartes. Je ne comprends pas la phrase. Jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Tu peux la donner à quelqu'un d'autre. D'accord. Je vais utiliser pour moi. Exactement. Mon équipe tactique pour buter le poseur de bombes. Ah oui. Ah oui, c'est 2 dégâts d'un coup. T'as raison, bien vu. Ouais, nickel. Ah oui, nickel. Ouais, bien, c'est ça. Ouais. Si, on gère pas mal, là. Ah non, attendez. Alors, oui, je peux faire un rollback. Oui, il a pas... Il est... Tu vois. Ne faites pas ça, la mienne. Non, parce qu'en fait, je vais faire autre chose. Vas-y, vas-y. Je vais faire un assaut implacable. Donc, je paye avec le pouvoir de l'agressivité, là, qui me permet de... Quand je le dépense... Une agressivité, pour ça coûte 2. Mm-hmm. Et en fait, ça me permet d'infliger 5 dégâts à un sbire. Oui. Mais si j'ai payé avec de l'agressif... Ouais. Ah ben oui, mais c'est pas le cas, c'est pas, là, c'est pas non, de l'agressif. C'est pas de l'agressif. Okay. Bon, alors attendez, je trouve une agressif. Chauffe une agressif. Chauffe un... En fait, tu payes une agressif. Voilà. Je paye avec une autre... Oui, parce que ça coûte 2, du coup. C'est ça. Premier soin, on s'en fiche. Ouais. Même pas peur. Ouais. Même pas peur. Et du coup, je fais 5 de dégâts. Donc 2 sur 2 lui, plus 3 sur... Et 3 sur lui. Ah oui, c'est donc, bien ça. C'est pas mal, quand même. Donc 5, 6, 7, 8. Il passe à 15. Il passe à 15. Sauf que là, on est en passe de massacrer Rhino 1 et juste Rhino 1. Et je... Ah oui. Ouais, hein, oui après, ça. Il va être énervé. Oui. Ouais, super. Je croyais que dans l'initiation, on jouait qu'avec Rhino 1 et 2, pas 3. Alors, en fait, c'est la possibilité, c'est de jouer une fois qu'on est plutôt bon. Pour donner un peu de challenge, on joue en Rhino 2 et 3 plutôt au lieu qu'en de Rhino 1, 2. 1, 2. Ah, bien vu. Ok. Alors attends là, parce que là il y a marqué action de héros, attaque. Oui, il faut que tu sois sur la forme de héros. Donc, bon déjà, je vais passer sur la forme de héros. Ouais. Héros. Si j'attaque... Non, alors tu peux le... ça c'est une attaque, ouais, d'accord, mais okay. C'est pas ton, donc, ton attaque de base. Donc je fais ça, je paye en vibramium là. Mm. Oui. Donc je fais 3 de dégâts supplémentaires. Oui. Et là tu peux attaquer. Et là je peux attaquer si je veux. De toute façon, tu étais obligé attends, parce que non. Celui-là était une attaque de héros. Ah oui, exact. Ouais. On a oublié le tenace. Ah, donc il s'est pas pris les 2... Les 3 de dégâts. Enfin, les 3 dégâts de tout à l'heure, il se prend les 3 de dégâts maintenant, ce qui revient au même, donc okay. Il est à 15. D'accord, c'est quand même bien dommage. Oui. T'aurais presque pu l'attaquer en premier pour éviter les 2. Ouais, ou lui faire ça, là. Ou lui faire ça. Oui, ça faisait 2 ou 2. Ça, je l'ai pas fait, du coup. Non, ouais. Mais tu peux le faire maintenant. Du coup, tu peux le faire 2 et 2, 4. On a mais perdu... C'est juste qu'on a perdu un point. On a perdu un. Voilà. Mais il est quand même à 11 points de vie. Oui. Au lieu de 42. Tout bon, à fait. C'était un bon tour. Et nous, on est tous à 8. Donc, ouais. On n'est pas si mal. La menace est à 7. Elle est quand même contrôlée. Ça va. OK. On est bon. On est bon. On redresse. T'as pas attaqué, hein, donc t'as toujours sonné. J'ai vraiment l'impression de ne pas jouer correctement Black Panther. Bah là, genre... t'as quand même joué mais agressif, normalement, là. C'est un... Il faut avoir les améliorations, il faut sortir les améliorations. Ah ouais, ça va venir, t'inquiète. Black Panther, il est un peu comme Tony Stark. C'est, il monte en puissance. Ouais. Il monte en puissance et tout à coup, c'est un déferlement de dégâts. Donc on se redresse. Donc, tac, 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 tac. On pioche. 1, 2, 3, 4, 5, enfin, on défausse, ça, c'est bon. On pioche. Et là, maintenant, c'est lui qui refrappe, en commençant par moi. Ouais, mais il va pas te faire mal. Alors, il initie une attaque contre moi, on est d'accord. Tu pioches, tout à fait.
Ok. Ça me gonfle. Est-ce que tu le défends contre lui ou pas? Non. Tu le défends pas. Il te fait 5 points de dégâts. Waouh! Pouf! 1, 2, 3, 4 et 5. Wetch! Ah, on rigole moins. Ah, bah, c'est vrai. Ah, mais c'est très bien, vas-y. Normalement, ça pique. Hein. Ouais, ouais. Alors, moi, je suis en Carol Danvers, du coup. Ah, on a déjà fait la menace. Si, on lui a fait la menace? Non, pardon. Donc, il prend 3. Il prend 1 de plus. Ouais. Puisque c'est son niveau de manigance. Et moi, je vais défendre. Toi, tu défends. Il te fait 4. Donc 2. 4 moins 2, il te fait 2. Et tu tombes à 6. Et je lui fais 1 de dégâts. Et tu fais 1 de dégâts puisque tu ripostes. Ah, il n'y a plus qu'à 10. Oh, peut-être avoir le Rhino 1. Juste pour vous montrer ce qui se passe quand on passe de Rhino 1 à Rhino 2. Alors, moi, je vous invite quand même. Oh non, je suis premier joueur. Non. Attends, on n'a pas fait les rencontres. Oui, mais ça va pas. Toutes mes cartes, c'est pour vous aider. Ah. Et vous n'avez pas d'alliés. C'est là. Ah, oui. Je suis premier à jouer. Ah oui. Rencontre. Et c'est moi qui fais la rencontre en premier. S'il te plaît. Attention. Traîtrise. Stop. Une fois révélé. Hop. Stop. 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 Elle est où? Elle est où ton interruption? Elle est où mon interruption? De traîtrise. Voilà. Interruption de héros. Je suis sous la forme de héros. Oui. Sens d'araignée amélioré. Rhino se soigne de 4, j'ai pas envie. Donc du coup, j'annule les effets une fois révélés. Elle me coûte quand même 1. Oui, bien sûr. Si je la paye avec ma lance-toile, elle ne se redressera pas et donc je ne l'aurai pas au tour d'après. Exactement. Évidemment. C'est payé. Et donc, mais t'as raison, parce que Silver Sable, c'est pas... Tiens, c'est pas... C'est pas, non. Ouais, ça va, plus ça. Un en contre de manigance, on s'en fout de sa manigance, il a qu'à le prendre, son vibranium. Ah. Uh-oh. L'ombre du passé. Ah, ça y est. Révélez votre sbire Némésis. C'est dommage, hein, on était bien, on était à la cool, tout allait bien. Allez, prends ça dans le dos. Mettez-le en jeu, engagé avec vous. Donc, Yon-Rogg qui rentre en jeu. Ouais. Donc, 5 points de vie, 2 en manigance, 3 en attaque. C'est parfait, c'est parfait. C'est celui qu'il te fallait. Ah oui! Une élite, c'est un cri. Donc hop! C'est un chant, c'est aussi la désert et le vent. Bon, pardon. Okay, c'est, une menace, réponse forcée. Une manigance supplémentaire et 3 cartes. D'accord. Donc les 3 cartes qui restent, ouais. Hop, c'est pour Florian, rentrent dans le deck, hein, évidemment, ah, oui, on les mélange. Donc là, elles aussi, elles vont sortir, oui. Elles vont faire puis, mal. Puis autant dire que vu la taille du deck, ça va sortir. Ben oui, tu m'étonnes. Le psychomagnétron est un dispositif permettant de transformer les pensées en réalité. Entre les mains de Yon-Rogg, ce serait une arme dévastatrice. Donc il faut absolument qu'on empêche qu'il le chope. Ouais. Surtout placer une menace supplémentaire sur cette carte. Par joueur. Donc 3 et 3, ça fait 6 menaces. 3 et 3. Hop. Et le plus, et c'est carte, plus carte. Et plus carte, mais ça viendra évidemment au tour d'après. À la prochaine phase. Ok. Par contre, là, autant vous dire, Yon-Rogg en face, ça va être compliqué. Ah oui, toi, Franck. Ça tape, hein. Moi, j'ai l'habitude des poseurs. Ouais, les poseurs de bombes, tu les connais. Une fois révélé, choisissez soit vous subissez 2 dégâts, soit vous placez une menace sur la manigance principale. Place une menace. Ouais. Place une menace. Tout à l'heure, tu l'avais aussi, ouais. Ah, bah, plus en une deuxième, alors. Allez, vas-y, soyons honnêtes. Oui, oui. C'est bien. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on peut avoir 2, 5. Allez. À la place, on va faire un peu de monnaie. Voilà. 13 sur 21, on est d'accord ? Ça va. Ça va, c'est géré. 13, ça va. Je passe le jeton premier joueur. Ouais. Et c'est à toi de jouer. Alors, du coup, ce qui tombe pas si mal. Ouais. Parce que quand même, là, je pourrais redresser un allié, mais on n'a pas d'allié. Ouais. Donc, ce qu'on va faire... J'ai plutôt empêché les conflits, comme tout à l'heure. C'est un contre. Je vais payer avec ces deux-là. Je suis aérien, donc je retire 2 menaces d'une manigance. Et si j'ai le trait aérien, 2 menaces d'une autre, comme tout à l'heure. C'est bien, donc, ça. Hop. Donc là, 4. Donc là, tu peux mettre... Mets 3, mais juste 3, j'enlève celui-là. Et puis 2 ici. Et voilà. Très bien, ça c'est géré. Ça c'est bien. Ça, ensuite, c'est géré. Il me reste... Alors, attends, est-ce que je vais pas... Parce que là, il va manigancer à 2. C'est puissant. Il y a 2 ou 3 cartes. Tu te dis, si je joue ça avec ça, ça contre ça. Ouh. Donc la question, c'est est-ce qu'on s'occupe de Yon-Rogg avant de s'occuper de Rhino? Ouais, parce qu'on peut décider d'aller taper l'ennemi qui est contre toi. Ouais, nous ouais. Ah,
Ah, bah, 5 points de vie, en 2 temps, 3 mouvements, tu le calmes, toi, non? Ah, tu oui, penses si. Ouais, le problème, c'est que moi, je... Ah oui, t'es allongé pour l'instant. Ouais. En tout cas, ce que je pense, moi, je pense que je vais passer en super-héros. Il cherche, hein. Il va m'attaquer. Parce que sinon, 3. Il va manigancer. Puis il manigance à 2, hein. Bah, il manigance à 2, mais c'est surtout que si je le fais pas, j'ai peur quand même qu'on soit... qu'on soit coincé. Après, si je le fais, je vais me prendre double attaque, et à mon avis, je vais pas tenir longtemps. Ça se tente quand même. Est-ce que je pioche, ou est-ce que je passe d'abord? On lui ferait pas les 10 points de dégâts, on fait une espèce de... C'est ce que j'étais en train de me dire. Tous en avant! Ce que je vais faire, c'est que je me retourne. Moi, je peux pas. Moi, je vais y aller. Hein. Je me retourne. Je vais utiliser mon action pour dépenser une ressource... Soigner un dégât. J'ai Nick Fury. Il va lui coller 4 dégâts. Piocher une carte. Ça fait 6. 6 et 2, ça fait 8. 8 plus les 2, on peut le mettre à 0 à ce tour-là. Vas-y, c'est à toi, Franck. Tu l'attaques ou pas? Même si je l'attaque... T'es sonné. Donc je vais plutôt le laisser attaquer et défendre. D'accord. Alors, moi je vais utiliser mon entraînement au combat pour payer une carte d'agressivité. Non, c'est le contraire. Je vais payer mon... pouvoir de l'agressivité pour payer entraînement au combat, qui va me permettre de donner plus en attaque à un joueur. Oh. Là, je te bien entraîné. Spider-Man, là, j'ai trouvé 2-3 trucs que tu pourrais faire. Ça s'appelle du Taekwondo. Chala. Taekwondo. Du Taekwondo. Chala. Plus en attaque. Chalaquendo. Chalaquendo. Ah, j'aime beaucoup. Je préfère encore plus ça en attaque. Donc, ça fait 3. 3, 4 et 3, 7. 7 et 2, 9. Ah, oh, il est à 10. Ouais, je peux faire une équipe tactique. Ah, bien. Pour lui faire 2 de... Parfait. Parfait. Sur Yonrog ou sur... Ouais, ouais, on va le tataner. On va juste faire pour vous passer au moment énervé du rhino. Il est à 8. Ouais, moi, je passe en alter ego. Je fais quand même ça. Ouais. Là où je... Oh, bah. Oh, bah. Attendez. Attention, hein, tu peux plus faire d'action de héros, hein. Ah, shit. C'est toujours... Ah, bah oui. C'est, oui, bah oui, c'est dur. C'est dur. Ok. À toi. On y go. C'est parti. Je joue Nick Fury. Il me coûte 4. Je vais incliner mon lance-toile. Plus... 2. Un max par deck. Donc, ça fait 3 au total. Ouais. Plus 1 qui fait 4. Voilà qui est fait. Avec ce 4, il y a une réponse forcée. Après que Nick Fury est entré en jeu, choisissez une option. Je retire 2 menaces d'une manigance. Je pioche 3 cartes ou j'inflige 4 dégâts à un ennemi. J'aimerais bien, mais bon. Je vais infliger 4 dégâts à un ennemi. Il passe à 4. Tac, 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 tac. Hop! J'incline Nick Fury. Il lui en recolle 2 dans les dents. Bien et sûr. Il se prend 1 point de dégâts, s'il te plaît, en réponse. Par contre, je crois qu'à la fin du tour, il disparaît. Il disparaît, c'est ça. Oui, il disparaît à la fin du tour. Ouais. Et tu fais une attaque à 3. Et je fais une attaque à 3, oui, je fais une attaque à 3. Oh, mais dis donc. Ah, je suis amélioré, c'est bon ça. Il est tatané. Est-ce que c'est immédiat? C'est immédiat, ouais. Oh yes, mange Rhino. Mange Rhino. Oui, c'est immédiat, hop. Ok. Donc je vous la lis au moins pour le fun. Voilà ce qui vous attendrait. Donc une fois révélé, combien de dégâts? Alors il remonte à 15 points de vie par 45. Donc 45. Cette fois-ci, il attaque à 3 de base et non plus à 2 comme tout à l'heure. Ouais, donc là, il attaquerait à 4. Ouais. Chercher la manigance annexe cassée et emportée dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre. Révélez-la, mélangez le deck rencontre. Non, donc ça te fait une troisième manigance qui viendrait s'ajouter sur la manigance principale et le psychomagnétron. Là, voilà. Donc là, tu vois, on piocherait 5, 5 cartes par tour, plus 45 points de vie. Bon, facile. Ouais, on peut le faire. Faut juste qu'on se repose un petit peu. Oui. Non, mais ce qu'on va dire, c'est qu'on va évidemment réussir. Le fondu au noir, malheureusement, le problème technique ne permet pas. Vous ne le verrez jamais. Attends, bouge pas, j'avais pas fini mon tour. Je vais faire une équipe de surveillance pour enlever un à une manigance. Est-ce que j'enlève à ton psychotron ou à l'effraction? Les fractions, on est encore loin. Hein. Ouais, allez, ouais, psychomanitron. Ouais, c'est surtout lui. Dégage. Qui va sortir en même temps parce que, moins, et puis, action de héros. Est-ce que j'ai le droit de demander, est-ce que quelqu'un peut me fournir de la ressource? Oui, mais pour ça, il faut un soutien qu'il fasse. Ouais.
pour, par exemple, un héliporteur, moi, je pourrais l'activer pour te fournir de la ressource à ton tour de jeu. D'accord, c'est pas... Je peux pas te filer de carte. Tu peux pas cracher une carte en disant, tiens, je te la laisse pour toi. D'accord, ouais, parce que j'avais une pour la justice, et on pouvait retirer trois menaces... et on enlevait le psychomanitron. Et ça tombait bien. Mais on n'avait pas l'héliport. Je suis resté en super-héros. J'ai le droit, puisque je ne l'ai pas encore fait, de faire hop là, bien je sûr. Me repose, machin, etc. T'imagines. Ce qui fait qu'au tour d'après, par contre, la manigance. Du coup, tu as ta ressource aussi, non ? Sinon, j'aurais eu ma ressource en l'inclinant pour le tour d'après, pour le faire, etc. Je retirerais 4. Oui, il faut l'activer, c'est une ressource. T'es sûr ? Pour le générer une ressource limitée une fois par tour. Pour l'utiliser. Ah, c'est pas marqué une action. Non, t'as raison, c'est pas une action. Oui, j'aurais eu la ressource. Oui, mais c'est deux. C'est deux. Donc, de toute façon, c'était mort. Et ça, je l'ai déjà incliné. Ça, j'ai tout pris. Et puis ça va dégager. Voilà, bref. Quoi qu'il en soit, on est à la moitié. Allez, au un tiers. On est au un tiers de la mission. Parce qu'il ne reste plus que le Rhino 2. Ben oui, mais le Rhino 2, il est plus fort. Donc, je me dis que ça va être un peu plus coton pour le cartonner. On a joué, ami Florian, dis-moi, combien de temps ? Merci beaucoup, ami Florian. 41 minutes. Donc, on aurait certainement eu encore une bonne demi-heure, à mon avis, peut-être un 40. Ouais, mais après, on a beaucoup expliqué ce qu'on faisait et tout. On n'a pas joué aussi rapidement qu'on aurait pu le faire. C'est Marvel Champion. Vous en avez vu 3 des héros, il y en a 5. Vous avez vu le héros, mais on peut encore le jouer en mode expert avec le carte 2-3 et non pas le carte 1-2. Pour le méchant. Sans compter les deux autres méchants supplémentaires. Donc autant de scénarios, sans compter la rejouabilité ou la richesse de jeu, puisqu'il peut y avoir d'autres actions que poseur de bombes avec le Rhino. Donc tu peux jouer le Rhino avec X autres decks. Et c'est la même chose pour chacun des héros. Ça coûte une paille ou deux. Deux pailles. Deux pailles, allez, ça coûte deux pailles, c'est un jeu FFG. Et il y aura bien évidemment, José nous l'a dit, des extensions. Les prochains héros sont... Alors Thor, Captain America et Miss Marvel, sachant qu'ils vont sortir le 20 décembre aux États-Unis et a priori le 15 janvier en France. Oh là là, c'est donc, bon. Donc ça va arriver assez vite là. Après quelques scénarios. Alors le scénario d'après, c'est le Bouffon Vert, Green Goblin. Et Green Goblin est hyper intéressant parce que il amène une nouvelle méca chez les méchants qui est lui aussi une face alter ego et une face excellent. Et en fait, et lui aussi faut contrôler quand il est Norman Osborn ou quand il est C'est sûr que chaque méchant est vraiment est typé. Entre guillemets, il faut aussi comprendre. On voit que les scénaristes se font vraiment plaisir. Ouais. Ils ont une méca de base qui leur permet d'avoir une variété dans. T'en as joué plusieurs déjà, type de jeu méchant. J'en ai vu en fait. Et j'ai vu Claw par exemple. Ouais. Claw est totalement différent De Rhino. De Rhino par exemple. C'est plus sur la menace et puis sur l'utilisation des sbires que. Moi j'ai perdu contre tous les super héros. Donc, challenge accepté. Si vous aussi vous perdez contre tous les super-héros, c'est que vous avez réussi à faire comme José. C'était Marvel Champion, c'était sur la Trick Track Télé. On retrouve notre super-héros à nous, Florian, et son super-pouvoir. Regardez, il en est vraiment capable. Let's go.